Je vais vous parler d'un cas qui est un peu, qui est relativement atypique. C'est pourquoi un industriel achète un éditeur open source. Ce n'est pas, pas extrêmement courant. Et euh, c'est ce que nous avons fait euh, au cours de l'année euh, 2017. Alors, on va d'abord euh, juste présenter notre groupe, euh, juste pour dire dans quel domaine nous sommes actifs. Nous sommes un des leaders en France dans le domaine de l'archivage physique, tout ce qui est conseil autour de l'archivage, euh, ainsi que... Dans le domaine numérique, pas seulement physique, hein, puisque dans le domaine numérique, on a des grosses activités en numérisation de documents, gestion électronique de documents, et puis euh, plus généralement tout ce qui est euh, BPO. Donc ça, c'est notre ADN, c'est de là d'où l'on vient. Et en fait, euh, derrière le business sur lequel nous nous sommes présents, l'ensemble du groupe est présent, il y, y a finalement euh, quelque chose qui est assez fort, c'est nous devons garantir à nos clients, euh, entreprises, euh, administrations ou autres, euh, une véritable pérennité sur le long terme. Parce que nous, on travaille finalement sur des choses qui ont besoin d'être conservées sur 5, 10, 15, 20, 30 ans, etc. Mais aussi euh, l'évolutivité euh, des solutions qu'on peut proposer à nos clients. Et puis, bien entendu, euh, la contrainte de la sécurité qui est euh, omniprésente quand, quand on traite le domaine de la gestion documentaire et, et des archives. Et, et pour pouvoir. Euh, euh, assurer tout cela, cette, pa cette panoplie de, dire, de, de caractéristiques à nos clients, euh, il est absolument euh, incontournable de maîtriser l'ensemble de nos infrastructures et des technologies que, que, que nous utilisons, parce que c'est ça qui est à la base de, dire, de notre souveraineté sur, sur, sur l'offre que l'on vend à, à nos clients. Alors, euh, quelques chiffres pour, pour situer... Euh, 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 le groupe et puis euh, ce dont on parle. Euh, en France, on a un peu plus de 27 sites de conservation euh, d'archives, on a 4 sites de RD, de taille un peu différente, bien sûr, un certain nombre de data centers, et euh, nous avons aussi euh, des, des sites de numérisation en France. Et puis nous sommes aussi un petit peu présents à l'étranger, euh, essentiellement en Afrique du Nord, euh, Tunisie, Maroc. Et on commence à avoir une activité commerciale maintenant relativement forte en, en Afrique, puisque c'est un, un continent qui se développe extrêmement rapidement. Euh, en termes de, de, de chiffres, on fera cette année euh, un peu plus que 32. D'ailleurs, c'est un peu plus de 33 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a euh, 6000 clients entreprises. Euh, donc, vous voyez, c'est comme on est euh, en gros, une ETI ou une très très grosse PME, on peut appeler ça comme on veut. Et puis, on est un groupe assez solide et basé au départ sur des activités plutôt traditionnelles, sur lesquelles on a greffé beaucoup d'activités high tech et informatique. Et donc, on avait une problématique qui était comment traiter au mieux tout le domaine de l'archivage électronique. Qui est l'évolution à moyen terme des besoins en archivage, d'une façon générale, pour l'ensemble des entreprises. Même si c'est encore un marché plutôt en devenir. Il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas véritablement de marché derrière aujourd'hui. Et donc, pour, pour traiter ce sujet de l'archivage électronique, qu'on traitait déjà assez bien en interne, mais on s'est dit qu'il faut vraiment passer à l'étape supérieure. Et pour passer à l'étape supérieure, plutôt qu'essayer de réinventer la poudre, on a regardé ce qui existait sur le marché, ce qui se faisait, et assez rapidement s'est imposé à nous l'idée qu'il fallait plutôt effectuer une acquisition dans ce domaine pour faire un maximum de synergie entre des gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur le domaine et puis nos propres compétences et ce qu'on pouvait apporter. Et tout ça en construisant un projet industriel. Et puis, on a fait une autre analyse. C'est que finalement, ce qui est important dans nos métiers, dans les secteurs d'activité que l'on traite, c'est d'apporter la confiance. C'est un critère fondamental. Pourquoi vous allez confier vos archives à quelqu'un, que ce soit numérique, physique ou autre, c'est que tout d'abord, il faut que ce quelqu'un, ce soit quelqu'un en qui vous ayez une totale confiance. C'est une caractéristique propre du marché sur lequel nous nous, nous intervenons. Une autre caractéristique, c'est qu'il faut être en capacité de pouvoir partager des documents entre un nombre plus ou moins important de personnes et puis être capable aussi de partager les technologies qu'on utilise, et ce, sur du long terme. Et enfin, une troisième caractéristique, qui est la pérennité, puisque quand vous faites confiance à une société dans notre domaine d'activité, ben, vous voulez être absolument sûr que la solution existera et continuera à fonctionner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, euh, voire même pour certains 30 ans. Euh, donc donc euh, on, est, on est vraiment sur du long terme avec cette nécessité de, 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 de pérennité. Et donc, euh, fort un peu de, de ces caractéristiques, ben, c'est un peu imposé à nous euh, l'idée de dire ben, ce qui correspond le mieux à ce, à, à ce que l'on recherche. C'est euh, le domaine du libre, c'est le domaine de l'open source. Et c'est comme ça qu'en menant cette réflexion, on s'est dit bien, en fait, ce qu'il faut, c'est que l'on intègre dans notre groupe une véritable activité open source pour tout ce qui concerne les technologies de l'archivage électronique en particulier et plus généralement euh, de, la, de la gestion des, des courriers entrants aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a été amené à connaître euh, Marche. Franchement, on ne les connaissait pas avant. Enfin, il y a un an, on ne les connaissait pas. Euh, donc, on a, on a été amené à, à rencontrer euh, les gens de marche, à, à, à apprécier la, la culture de l'entreprise, à voir les technologies qu'ils avaient développées, puisqu'ils sont à la fois présents sur euh, euh, tout le domaine de, de la gestion des, des, des courriers euh, de façon électronique et puis euh, tout le domaine de, de l'archivage électronique. Et de voir que finalement, ben, ça correspondait parfaitement à ce dont on, a, ce dont on avait besoin, mais avec une, une vraie condition forte, c'est qu'on soit capable de créer des synergies sans pour autant tuer ce qui fait la spécificité et ce qui fait tout l'intérêt de, 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 des, des sociétés qui sont présentes dans le domaine de l'open source. Donc il y, a un, il y a un vrai sujet culturel. Et, et donc pour pouvoir euh, intégrer dans un groupe industriel euh, une activité de type open source, je crois le point le plus fondamental, si on veut véritablement réussir. C'est respecter la culture propre de, de, de l'entreprise open source. Il faut surtout pas vouloir changer le modèle, essayer d'en de tirer, tirer des revenus de licence par derrière, des choses comme ça. En tout cas, c'est pas ce que nous avons fait. On a pris dès le départ le parti pris de faire, un, de respecter totalement la culture propre de l'entreprise qui, qui nous a rejoints et, et, de, faire, et de, de faire en sorte qu'un plus un vaille 2,5. C'est-à-dire, on a créé. Et un maximum de synergie, de complémentarité entre nos propres équipes existantes et les équipes de marche. Parce que tout simplement, on apportait aux équipes de marche un regard un peu différent sur la façon dont ils développaient leur logiciel, sur certaines fonctionnalités, sur l'importance de certains critères. Et réciproquement, les équipes de marche ont apporté à nos propres équipes un éclairage venant de l'open source qu'on n'avait pas forcément. Et donc, ça, ça c'est vraiment la, la première chose qui nous a paru absolument essentielle lorsqu'on s'est lancé dans cette opération, et qui, à la lumière des, je dire, des, des six derniers mois, s'avère être quelque chose d'extrêmement puissant. Et il y a des gens de Marche qui sont dans la salle, et je ne pense pas dire de bêtises en disant que les, les, les deux, enfin aussi bien les personnes qui, qui étaient chez nous que les gens qui nous ont rejoints chez Marche, euh, je crois, apprécie ce, ce respect mutuel de, de la culture et des modes de fonctionnement qui sont différents. Euh, la, la deuxième chose qui est importante aussi pour, pour réussir euh, ce type de, euh, de transformation, c'est aussi respecter le business model. En fait, la, la culture de l'open source, la culture des gens qui sont dans, ce, dans ces, dans ces so sociétés-là, euh, ben quelque part, euh, elles sont quand même liées au business model qui est derrière euh, le fonctionnement de leur entreprise. Donc ça, il ne faut pas le changer. Et nous, c'est le parti pris aussi qu'on a fait, c'est qu'on respecte totalement le business model, on ne modifie pas euh, la gratuité euh, de, de, de la licence des logiciels, euh, on, on essaye de, 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 de le rendre euh, éventuellement plus performant sur, sur, par certains aspects commerciaux, mais euh, on respecte totalement le business model tel qu'il est et on ne le modifie pas. Et enfin, le, le, la, le tro la troisième chose absolument clé pour le succès de ce genre d'opération, c'est de ne pas déstabiliser les partenaires. Ça a été dit lors de la table ronde précédente. La gestion des partenaires dans le domaine de l'open source, c'est quelque chose d'important, puisque tout développeur open source, tout seul, avec ses petits bras, il ne réussit pas. Et il est absolument essentiel de s'appuyer sur un réseau de partenaires qui soit capable d'intégrer ces logiciels et ces solutions. Donc, il est important aussi, dans ce cadre d'opération de fusion comme celle qu'on a fait, de ne pas déstabiliser le réseau de partenaires. Au contraire, d'essayer d'accroître de, de, le réseau de partenaires euh, pour euh, faire en sorte que la technologie se développe de façon encore plus large euh, sur le marché. Donc vo voilà ce qu'on a fait. Euh, voilà ce qu'on est en train de faire, puisque là, on est vraiment euh, en cours. Hein, c'est une opération relativement récente. Ça, on n'a que six mois d'antériorité. Et euh, ce, ce qu'on peut quand même observer, c'est que bien, même si c'est une opération assez originale, euh, moi, j'étais assez frappé lorsqu'il lorsque y a eu la, la cérémonie d'ouverture euh, de l'OSS, euh, de voir dans la salle qu'en fait, il y a énormément d'entreprises de, 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 qui développent de, de l'open source, mais qui sont toutes de taille véritablement réduite. Hein, enfin, et d'ailleurs, quelqu'un l'a dit, je ne me souviens plus qui l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture, il, il y a énormément d'entreprises qui font allez, 15 salariés ou 20 salariés, euh, qui font au moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et, et finalement, il y a très très peu d'acteurs. Euh, qui soit de taille, j'allais dire, grosse PME ou ETI. Euh, et, et ça manque dans l'écosystème en France, franchement. Ça manque parce que euh, si on veut vraiment avoir euh, euh, réussir au niveau mondial, bah, il faut une véritable puissance de feu derrière. Et, et, et ça, je pense qu'en faisant des opérations un peu du même type que celles que nous, nous, nous venons de faire, bah, ça permet à des, à des euh, sociétés qui ont développé des logiciels performants dans le domaine d'open source de donner des moyens et des ressources pour pouvoir euh, ben, viser beaucoup plus haut que le simple marché français, ou un simple développement un peu viral, mais, euh, mais pas très rapide, et pouvoir aller vraiment à l'étape supérieure, et beaucoup plus rapidement, ce que font bien certaines sociétés dans d'autres pays. Voilà, donc bon, là c'est toute une liste de références, mais bon, on en a plusieurs milliers, bien entendu, euh, je ne sais pas, 60% du CAC40 doit être client chez nous, euh, des boîtes mondiales, etc. Bon, il y, y en a beaucoup. Merci Laurent. Merci avoir beaucoup Jacques. le timing.